Dans un magasin de fringues comme ici, on ne s'attend évidemment pas à faire normalement de la théologie. Et bien pourtant, j'ai conservé une pub d'un certain, une certaine marque qui se situe clairement sur ce terrain-là. Ah, pour une fois, ce n'est pas moi qui l'ai cherché. Alors, vous reconnaîtrez facilement avec la pomme grand-papa Adam et grand-maman Ève. Et si quelqu'un hésitait encore, le tatouage sur l'épaule de notre aïeul suffirait à donner un index très très révélateur. Mais c'est le texte au verso qui m'a laissé songeur. Je vous le lis. En 2005, entre elle et vous, la tentation sera grande. Et quel plus beau péché que de craquer pour celle qu'on aime. Inutile de garder les pieds sur terre. Assumez vos penchants, laissez parler vos instincts, croquez vos envies à deux. N'essayez même pas de résister à la tentation. Emmenez-la au paradis. C'est tout à fait un message théologique, hein, céder à la tentation, emmenez-la, c'est-à-dire l'objet consommé de la tentation, emmenez-la au paradis. Alors, c'est drôle parce que nous sommes dans une société qui se targue d'avoir aboli la culpabilité, la morale est dépassée, les transgressions morales, ça n'existe plus, la conscience, on a débranché. Alors, pourquoi se donne-t-on tant de peine pour convaincre d'innocence le pécheur? Pourquoi essayer à tout prix de le rassurer? Mais tout simplement parce que le bien et le mal existent encore, même s'ils ont été déclarés obsolètes. En fait, l'esprit de ce monde cherche toujours à s'infiltrer et à infiltrer sa propagande partout. Mais ne vous y trompez pas, le pécheur devra être racheté et changé s'il veut aller au paradis.